YouTube, on va retourner miner, princesse est ravie. Ouais. Je me suis entendu en double en plus. Ça a bipé. Eh ben ça y est, Drake. Hein. Ah mais c'est dans la descente. Honnêtement, creuser dans les descentes, je déteste. Ah, oui, vu. Parfait. On a un autre. Drake. On est bien accueillis ici, ça fait plaisir. Ouais. On peut se battre dans les côtes, merci. Hein. Faut prendre une arme à deux mains. Pour un truc qui vole, y a un loup en bas. Bon, pour le truc qui vole, je suis d'accord, c'est pas le plus pratique. Et il y a un golem. Oh merde. Et mon os est en train de biper. Sous le golem. Sous le golem, il y a tout ce qu'on veut. Mais c'est le titre. Oh mais attends, je vais le piocher, lui, ça va être plus simple. Jack, tu veux soulever le golem ou te faire soulever par le golem? J'ai pas compris. Ah oui, c'est espace sur... Ah oui, non, mais là, c'est terrible. Hein. Les contrôles qui changent... Oh la vache. Ah, ça a pas bloqué. Ah, mince, pardon, j'ai fait un trou. J'ai... En même temps, on veut creuser ici, donc... Oui, c'est plus ou moins l'idée. Voilà. Et voilà. Un début de trouble dissociatif, peut-être. Vous voulez miner ou vous voulez qu'on se trouve une grotte? On peut noter l'emplacement. Ouais, je préférerais trouver une grotte, perso, mais... Il y a un loulou. Je note ici. Je note ta barre de vie qui est... Oui, oui, t'en fais pas, je viens de boire une potion. Éleveur en veille. Je pense qu'on va... Oh la vache, c'est interminable si on veut monter. Oula, petit loup, viens par ici. Il y a le Drake derrière. Il y a le Drake aussi, ouais. Ouais, ça va être un peu galère à monter tout ça. Comment on est censé grimper tout là-haut? Moi je suis Nat qui joue les bouquetins, ça marche bien. Un coup de Hectir peut-être. Ouais, j'en ai un up moi. Il y a des ruines là-bas, mais je ne vois pas de... Oh la vache. Vérifiez qu'il n'y a pas un Drake au-dessus de la tête. Ah, et ben on a le... J'ai le trophée de Drake pour le casque. Nice. Oh la montée. T'as pas idée. Ah, on s'envoie une belle là. Oh la vache. Et comment on va monter là-haut? Bah si, on va monter de pierre en pierre, mais bon. Merci hein. L'avantage c'est qu'on va avoir une super vue là-haut. Quelqu'un a pris de quoi faire un portail? Bien sûr que non. Mais imagine, y a rien en haut. On serait bien content de pas avoir pris de quoi faire un portail. C'est vrai. Ne serait-ce que pour repartir. Ah, je vois une grotte par là. Moi je vois un œuf. Ça a pingé n'importe où, mais. Ah, il y a une petite maison. Ah oui, la grotte là-haut. Je vois des stalactites de glace. Ça a l'air. Franchement, je cours contre les murs. Ouais, je sais pas si tu passes par le bas en haut. Bah, y a vraiment rien en haut donc. Princesse, tu sais où tu vas? Parce que je suis parti pour te suivre. Pas sûr qu'on arrive à grimper plus haut par là. Ça va être compliqué. Non. C'est quand non, même c'est sévèrement casse-gueule. Non, j'y arrive pas, j'ai pas assez de stam. Même avec Hectir, tu penses? Ah, Hectir va aider, mais ça, comme il faut sauter à moitié. Alors, attends, on va essayer un truc. C'est bon, Jack, on peut le mettre? Ouais. Il a vu le coup du saut, Hectir. Ça a réduit aussi le coup du saut? Bah, ça peut aider, ouais. Jack! Je le mets. Merci. Voilà. Yes, oh oui. C'est la roulade qui sert à rien. Oula. Est-ce que je le tente? Hop là. Non. Qui a chu? Ah non.
Ah, oui. Comment ça, t'es morte? Vous ne vous sentez plus reposé, sans blague. Je reviens. C'est vrai que ça va jouer aussi. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette montagne de l'enfer Il m'en reste un peu. Pareil. On arrive au niveau de la grotte, nous. Ouais. Ah, je crois qu'on arrive en haut. Merveilleux. Enfin, oui. Bah, à la grotte. Ok. N'oublie pas maintenant. Ah oui, non, là, ce serait vraiment con. Ok. Il y a un Drake là-bas. Dans la direction où je regarde. Ah, on voit ses ailes qui dépassent. Un Drake là-haut. Par contre, j'irai pas le chercher. Non, moi, je suis curieux de voir s'il y a autre chose. Oula, oula, oula. Et là, vous avez le problème, c'est... Je vais monter tout là-haut. Hein. Ah bah, t'es juste à côté, toi. En fait, ça va. Oui. Oui. Tout va bien. Bon, bah, on va les rejoindre ou pas? Bon, on attend là, Nat. Bon, on va attendre là, je pense. Ouais. Ça doit être pour le Drake, mais non, ouais, alors toi, je suis pas sûr alors, que je vais aller te chercher. Il y a un golem. Yes, je le vois, il est en train de se friter avec un... Avec quoi? Si on veut le tuer, oui. Oh, oh. Il est en train de se friter avec quelqu'un, non? Tu peux imaginer toute la pierre qu'on pourrait ramasser si on démontait cette montagne. C'est vrai. Est-ce que tu pourrais construire avec? Et imagine construire en haut de la montagne. Il tanque un tout petit peu parce que l'endu s'est fait la malle. Hein. Oui, oui, c'est bon. Il arrive. Encore au-dessus. Oh, gauche. Bonne idée, ça, le bon masse, maintenant. Ouais, je me suis pas senti de le... Faut encore monter. Ouais, c'est vrai, j'ai quand même beaucoup mal tout à coup. T'as vu le vénérable du sommet? Oui. Le vénère tout court. Le vénère tout court. Bah, s'il nous pousse vers le bas, on est mort. Hein. Donc remontez-le. Ah, cool, la vous voulez pas le remonter? Non, bon. C'est dur, en fait. Je pense qu'on va davantage tenter de le tuer. Après oui, je me mets pas entre lui et le bord, tu vois. Parce que je te rappelle qu'il envoie voler de temps en temps. Alors là, la chute... Ah bah tu vois le paysage, hein. Est-ce que t'as le temps? Ah bah oui, vu la longueur de la chute, oui. Si tu vois ta vie qui défile dans tes yeux, tu peux même faire la sieste. Bon, généralement, sur une chute de cette longueur-là, il faut mieux plutôt en profiter pour faire un peu le point sur ta vie, et tu vois... Ah oui, un documentaire. T'as le temps, en tout cas. Ce qui me rassure, et ce qui devrait vous rassurer, princesse, ça devrait te rassurer, rien ne bip. D'accord. Oui. Donc on n'aura pas à creuser ici. Très bien. On a fait ce trajet pour strictement rien. Non, il y a la grotte. C'est vrai. Et un Drake qui va peut-être rester tout seul dans son coin parce qu'il est beaucoup trop bas maintenant. Oui. Il y a 9 ici. Il y a une structure là-bas. Grande. Je vais voir la structure vite fait. Vous voulez pas faire la grotte? Moi je te suis. Alors attends, t'es par où, monsieur Man? Parce qu'avec la minimap, moi je te vois pas. Je check juste la structure et j'arrive. Ok. Ça passe. Non, on n'a pas du tout agressé toutes les populations de loups, de Drake et de golems, c'est eux qui sont vindicatifs. Les chats. C'est toi le chat. Ça va mal finir, ça. Sa gueule en bas, là. Ça va finir en clip. On va clipper. Ça, non, ça va aller. Ça. Vous êtes bien au courant que c'est comme ça qu'il y en a un qui se pète la gueule de la montagne. Hein. À moins qu'évidemment ça soit l'objectif. Hein. Et du coup là, les Roland de collège reviennent. reviennent à Ménarine. Laisse-moi vérifier le script. Une période que j'ai tellement apprécié. Princesse, tu t'es fait victimiser au collège, Jack? Mais bien sûr que non, j'étais celui qui victimise, tu veux dire. Tu doutes de moi, Malfus? Coucou, princesse. Non. Coucou. Ah. Magnifique. Ah.
rentré par accident. Comment vous êtes... Par là. Oui, ouais, c'est ouais, juste là, tu vois, il y a un caillou qui t'arrête. Wouhou, c'est bon. Et c'est vous. Ah bah c'est... Oui. La quantité de loups Drake, what the fuck, ils vous envolent comme si vous aviez tué toute leur famille. Ah, ce qui est pas complètement faux, hein. Oui, j'allais dire, c'est un peu le cas. Oh, ça descend dans les profondeurs obscures. Alors, ne fais pas attention à la logique de la grotte, sachant qu'on est entré sur un flanc en particulier de la montagne. Ne cherche pas de cohérence. Faut pas réfléchir. Ah. Oh putain de chauve-souris. Non mais ça, faut le monsieur à la masse, ça, pour... bah tiens. Non mais quelle invention de merde. Les chauves-souris, oui. Youhou. Yes, obtenu avec succès. Bon, on est descendu pour rien en train d'entendre, hein. Ouais. Oh, c'était pas rien, c'était... Il y avait des chauves-souris. Elle loot quoi, déjà? Rien. Rien. Ça suffit, ne me rappelez pas ça. Des ailes de chauves-souris. Là, ça ressemble plus à une zone. On va attendre. Ça sent la bagarre. Bon, bah, je suis enrhumé parce que je vois pas de bagarre. Ah, on a un... Si, on a un truc là. On a des loups machins cultistes, je sais pas quoi. Des wargs. Tu vois rien? Moi, j'ai trouvé des tas de viande. Derrière, il y en a deux. N'oubliez pas de casser les tentures. Ah. Dans le loot, casser tout. J'ai l'inventaire plein en termes de. Donc si tu peux ramasser les... Merci. Pas de soucis. Ça aussi, hein, ça se pète. Il y a des trucs intéressants? Bon, on peut récupérer du bronze. Bon, ça prend... Ça sert à faire de la déco. C'est donc extrêmement important. J'essaie de casser quoi? Bah, le coffre. Tout. Ah non, le coffre, non, c'est les bras zéro. C'est où la sortie, ici, déjà? Ah. Voilà. Oh. Ouais, c'est pas ouf. Non, elles sont maigrelettes, ces petites grottes. Ouais, elle est pas finie, il reste un passage. En espérant qu'il y ait quelque chose en bas, mais c'est... Ça va pas l'air gagné. Des chauves-souris. Ah. Oh, là. C'est joli. Ah bah dis donc. Il y a des ulves derrière. Oula. Oh. Tiens, un coffre vide. C'est bizarre. Moi ce que je trouve bizarre, c'est que ça te surprenne encore. Mais quel enfer, princesse, j'en ai marre de ces chauves-souris. Moi aussi. Et dégagez, qu'on demime. GG. Ouf, ça y est. Cauchemar. Ah. Oh, puis là, on passe après Crampman, tous les coffres sont vides. Alors, c'est pas moi qui les vide le plus, hein. Sérieux? Ça sert à quelque chose de péter les stalactites ou pas? Si ça drop quelque chose, oui. Non, ça fait des dégâts. Ah non. Des dégâts. En fait, c'est moi qui leur ai fait des dégâts, mais je pensais qu'en... Ah si, ça fait des dégâts aux gens. Pardon, oui. Princesse. Excuse-moi. Tu veux une potion pour te soigner? Je veux un bijou sur le bobo. Mouah. Merci. Faudra qu'on lui redise un jour que ça fonctionne pas. Et oh! Écoute, faire un bisou, un bisou gratuit à Princesse, moi ça me gêne pas. Hein. Ah, tu cautionnes donc les fumisteries médicales, bravo! Félicitations!
Un peu de fantaisie, Jack. Non, jamais. On est pragmatique, nous, ici. T'as jamais fait ça avec tes enfants? Bah si, tout le temps. Ah. Et ça marche. Sauf que moi, ça marche. Bah voilà. Donc tu peux pas reprocher après l'enfant, une fois adulte, d'y croire. Ah non, non, mais j'espère que... Non, mais à un moment, je les éduque aussi. Je leur explique que pour soigner, il y a autre chose que les bisous. Hein. Comment ça? C'est pas grave. Mais non. Ça dépend ce que tu leur apprends là-bas. Si c'est des trucs à base de drogue, bon, voilà. Hein. Oui. Ouais, le monsieur avec le grand anorak qui te donne des bonbons et qui veut te faire des bisous pour te soigner, bah ça ne fonctionne pas. Ah oh, mince. Arthur, merde, ma couverture est grillée. Sourine. Oh bah Sourine, elle me connaît, j'ai fait le test de pureté avec elle, elle sait. Ouais, il y a une structure juste en dessous. Il y a une structure juste en dessous. Mon anorak. Il y a quoi juste en dessous? Une structure. Structure en bas. Ah, c'est les grottes qu'on veut. On les voit plus facilement d'en bas que d'en haut, mais bon. Ah ouais, mais c'est chiant. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On va la redescendre. J'ai vu, hein. Jack. Mais tout le monde part d'un côté. Bah c'est pas grave, comme ça on se disperse, on couvre plus de terrain. Disperse. Tu veux aller où, Jack? On descend, on tente la descente sans mourir. D'accord. Déjà, oui, voilà. Ouais, déjà, c'est bien ça. Alors, faut courir contre le mur. Et serrer les fesses. C'est la partie la plus importante, serrer les fesses. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? En bas, il y a la structure. Maître Sphincter, on te fait confiance là-dessus. Allez, zou. Oh, je suis mort. Écoute, s'il y a des ronces de ton perso, ah non, il y est... je suis pas mort. Mais j'aurais pu. J'ai raté le bord. Vous voyez, là, il faut pas rater le bord. Hein. Sinon, c'est le décès. Ça aurait pu. Perso est quand même drôlement fragile aussi, hein, vis-à-vis de la gravité. Oui. Ouais, ouais, je trouve qu'il en fait des caisses. Hein. Ah. Franchement... Petit mollet fragile. Trouvé modeur. Alors, on va tenter la descente par la princesse. J'y vais le premier. Si tu vois que ça foire, tu fais plus prudent. D'accord. Voilà, alors, c'est bon. Où est modeur? Oh, ça va. C'est pas très loin du boss. Ah non, c'est là où il y a du goudron et des gobelins. Ah. Merde. Modeur est là-bas. Ah. Génial. Des gobelins. Génial. C'est vraiment le. Sa localisation aussi. Mais c'est exactement la même. Ah ouais, ouais, c'est toujours le cas, je crois. Non, normalement... Je pense qu'on peut l'avoir de là. Je pense pas. Ah si, on peut. Oh, je suis revenu au portail. Bah GG. Princesse, toutes ces années de PUBG, montre-nous. Non. J'ai une grotte ici. Ah non, c'est pas un portail, c'est un... Ah oui, c'est le truc de modeur. Zut. Oh, la déception. Oui, et le si portail vous voulez, j'ai une grotte ici. Enfin, le coffret de DG. Alors du coup, on la voit même... Alors, peux-tu pinguer ? C'est là où je suis. Là où je suis. Ah oui, ah, parce que je suis pas visible. Ouais, je te vois pas. Ah, viens. Moi, j'avais suivi Monsieur Man, j'ai eu le nez creux. Faut remonter, Jack. Ouais, non, on fait non, je suis en bas. Hein. On fait le tour. Oui, faut méchamment descendre. Par l'autre côté, non ? Pourquoi tu passes par là ? Côté, plutôt, oui, pardon. Oui. Donc là, un portail ça aurait peut-être été pratique. Mais... En fait, avec la map qui est tout petite, j'arrive même pas à voir le sens après, de la flèche. Va, on souffre pas trop dans les grottes, donc. On va tenter de. Garde ta stam. Hein. J'ai Headkir si tu veux. T'as un Headkir d'up juste. Ouais. Bah écoute. Si je trouve Arthur, je trouve Monsieur Man. Exactement. Ouais, je m'éloigne un tout petit peu pour. Allez, on me boot. Je vous ramène des drakes. J'ai plus de flèches, je peux pas les tuer. Ah merde, attends, je me relève alors. Le cadeau empoisonné. Moi je m'étais assis. Attends, parce que je vois des drakes qui se baladent, c'est peut-être à toi, non? Ah, nous. Non. Viens mon pépère. Un drake qui s'est prévisé. Parfait. J'entends de la bagarre. Petite peau, là. Oh, yeah. Ça bip, princesse. Non, on s'arrête pas. Tant pis. Allez, viens prendre ta flèche. Je vais reprendre de la stam ici. On se rapproche des gens. Ah, je vois quelqu'un avec un arc. Ça doit être moi. Ah bah c'est là où ils ont, ouais, c'est là où ils ont trouvé le modeur. Dans la, tu vois, on le voit briller à l'intérieur. C'est vrai. Faudrait qu'on descende, je ne sais pas par où. T'as pas été suivi, c'est bon, Malfis. YOLO, hein. Ouais, YOLO, ça paraît. Les loups sur la falaise, je suis désolé le jeu, mais... Je suis mort. Oh non. Oh, je suis presque mort. sur toi aussi, t'as failli. Arthur et moi-même. Allez, Zou, on a le modeur.
Je sais pas pourquoi, je sens qu'il est dans un coin chiant, non? Oui. Oui. Il on a est... dit que c'était là où il y avait les gobelins. Oh, les gobelins, ils nous ont déjà... Non, les gobelins nous ont pas tués encore. Et on voit un monsieur man. Faut dire qu'on a bien évité leur biome. Ben, navré, mais monsieur man n'est pas avec nous. J'arrive. Et je vois quelqu'un qui est encore plus loin, donc... C'est moi, je vais passer par un autre endroit en espérant trouver quelque chose, et c'est la loose. Mmh. Oh, c'est beau. T'as vu, Jack, on n'est pas les derniers. Ouf. On partait pas gagnant. Hein. C'est vrai. Très honnêtement, on partait pas gagnant. Ah, mais Nat, il est encore tout en haut. Ouais, mais je dois être juste au-dessus, normalement, en fait. Oui. Donc ça va aller assez vite. Fais attention, il y aura peut-être des drakes sur ton chemin. Enfin, ouais, j'allais voir les speedruns sur Valheim si les speedrunners ont des techniques de fourbe pour éviter genre les dégâts de chute ou des trucs comme ça. Ah, évidemment. Merde. Après, généralement, quand tu vois le speedrunner faire, tu te dis « Oh putain, j'ai envie de faire ça, c'est trop stylé. » Et toi, quand t'essayes, bah, au bout de 50 essais, t'abandonnes. Tu te dis « J'en ai marre de mourir. » Est-ce que je suis encore au-dessus de vous? J'ai l'impression que vous êtes beaucoup descendu, je vois pas la grotte. Bah, ah oui, écoute, je comprends pas pourquoi ils ont mis pourquoi ils ont pas mis une touche de roulade plutôt que de faire blocage espace. C'est bizarre, hein. Trois quarts du temps, je pense que je fais pas la parade, en fait. Ni la roulade. Oh, oui. Ouh là là. Oh, je l'ai vu partir, je suis un peu déçu. Je sais pas pourquoi mes sphincters se sont contractés. Bon, c'est parti. T'as failli nous faire une coyote, c'est ça? Oh oui. Là, ça commence fort. Tout ça, mais on a des tapis roulés à faire après, nous. Il y a de... Ça grogne. Il y a des loulous. Oui. Bon, le temps que j'arrive sur eux, logiquement. Il y a des chauves-souris. Ah, je l'ai vu, j'ai eu le temps de voir ce qu'il y avait dedans. Tout. Oh. À l'arrière. Ah, je me fais grignoter. En plus, ils font un point de dégâts, donc ils sont juste là pour faire chier, en fait. Totalement. Ouh là là, il y a un escalier qui descend dans des... Dans les profondeurs obscures. Mmh. Mais chauve-souris de... Il y a une petite porte avant de descendre. Ah, les bras, c'est vraiment cassé. Ah. Oui. Mais barrez-vous. Putain de chauve-souris, personne ne vous aime. Mais barrez-vous, qu'on de mime. Oh, cauchemardesque. Non, reste. Merde. C'était pas loin. Bye. Il y a des ossements ici, ouais, bon, c'est pas ultra utile. Ouais. Ça va, princesse? Ça va. Il y a des mythes pile avec des entrailles aussi. Où est-ce qu'elle est? Je l'aurai. Que ça. GG. C'est déjà merci. Vide. J'hallucine. Non, c'est quoi favorite depuis bien longtemps. Moi, je me doute bien. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un Silver Necklass. C'est Necklass. Necklass. Ah, on va voir le lac de Givre en bas, peut-être. Ah, possible. Bon, par contre, là-bas, il y a du cristal. Et là aussi. Ça continue... Non, ça continue. Ça chauve-souris, par contre, ça, c'est sûr. On descend, du coup? Ouais. Ça a été fait, ça? Non. Personne n'est descendu, c'est pour ça. Je crois qu'il parlait de... Du brouillot. Du coup de sac. Oups. Oh là. C'est classe? Ah bah y'a rien. Ouais. C'est vide. J'ai même pas mieux répété. Ah mais c'est beau, non, regardez, c'est la sérénité. On a envie de faire la position du lotus sur cette petite pierre. Il y a une chauve-souris, Jack. T'es sûr? Oh putain, c'est pas vrai. Il n'y a plus de chauve-souris. Il y a des cas où c'est pire que quand il n'y a rien, c'est qu'il y a une chauve-souris en fait. C'est ça. Merde. Merci. Bah non, c'est une bonne idée. Pour le coup. J'ai biscuit. C'est pour ça que j'ai dit mince. Faut rien dire dans ces cas-là, tu dis quel talent. Ah, chauve-souris. T'as pas encore expliqué comment il faisait?
Non. Il n'y a pas de misclic, jamais. Oui. Il n'y a que, en fait, des actes qui vont plus vite que tes intentions. Ouais, c'est ça, et c'est comme, il n'y a jamais d'erreur, il ne se passe jamais d'erreur, seulement de petits accidents. Même pas. Non. Les anicroches, tout au plus. Oh, il y a un autre escalier qui descend. Deuxième chance. J'ai... On arrive. Alors, ça bifurque avant, on fait peut-être le niveau. Oh, ça touchait, là. Elle est où, cette... Oh, bah, il y a du bâtard. Loup. Loup où? Je suis avec Nat. Ouais, j'ai vu. Il y a rien du tout ici, c'est ça? Mais il y avait un passage secret là. Pas gagné. Hop, si ça, ça se casse. Ah non. Échec. Putain, des chauves-souris à la con. C'est pas pratique les petits donjons comme ça quand on est plusieurs. Hein. Bah, Jack, tu passes pas un. Ah bah, dis donc. Mais bon, elle est morte. Donc il y a des trucs là-dedans? Ah. Oui, il n'y a rien. Ici, si quelqu'un de la place dans son inventaire, il y a un croc. J'ai, je crois. C'est déjà pris. D'accord. J'entends des bastons de loup. Te vois, hein, Mais non, je me fais repousser méchamment. Et du coup, au fond du trou, ah, c'est là. Rien du tout. Ah bah ici, ça reboucle. Ouais. Ouais. J'ai entendu des bestioles. Hein. Ouais, chauve-souris encore. C'est pas une chauve-souris qui fait ce bruit-là. Bonjour. Là où je suis, y a que ça. Y a une porte encore ici. Ça donne sur le. Non, ça donne. Oui, monsieur Spook. Oh, ça touchait là, t'es sérieux? Je vais te donner du bronze maintenant. Honnêtement, ça serait le truc plus intéressant à choper dans les premiers donjons. Ah ouais, mais bon. Ils y ont pas pensé au moment des premiers donjons. Le biome est sorti après. Il s'agirait pas qu'on ait des trucs pour nous aider dans le premier donjon. Il y a combien de escaliers qui descendent? Et quoi là-bas qui a été oublié? Du laser scrap. Je suis un peu ça paumé là. Ça descend encore. On y a été par là normalement. Ah bon? Bon, là où je suis, j'ai l'impression que personne n'est venu ici. Où les cristaux ont pas été ramassés. Ça dépend où est-ce que t'es arrivé. Ah, puis il y a un mur à casser donc. Ah! Mais on sait pas où t'es donc. Et bah, au fond des galeries où on était, où tout le monde a fait demi-tour alors que ça descendait. Jack arrive sur moi, il a dû se perdre. Non, je te cherchais ton pseudo, donc je suis. Là-dedans, en bas, là. Mm-hmm. Ok. Il y a deux passages au minimum. Ah bah voilà. Magnifique. Là, des tentures. On n'a pas tout le monde. Oula. Ah, ils arrivent. Ah non, oh, ça brûle. Pas trouvé celui-ci. Ils sont combien? Oh, le massacre. Sérieux, l'endurance. Enfin, ah, si quelqu'un avait la place là. C'est good. Les tas de viande, ça donne quoi du char? Des quoi ça donne? J'ai pas vu. Les entrailles. Ah d'accord. Oh c'est dommage. Ça donne des saucisses. Bon c'est toujours bon à prendre. Hein. Bah c'est gratuit. C'est ça. Puis bon, faut qu'on laisse la place propre. Tu vois. Et donc, en termes de lore, il y a une justification pour ces mecs en mode loup-garou. Évidemment, faut lire les stèles. Faut lire les stèles. Il y a une autre porte ici. Yes.
Ah bagarre. Bon bah les... c'était petit. Ouais, y'a pas de bâtard. Déjà vidé, incroyable. C'est ce qu'on appelle l'efficacité stratifiée, ça, monsieur. J'appelle... Je n'arrive pas à voir ce petit bonus de repos. Mmh. Je peux le savoir, les doigts crochus, moi. Désolé. Bon, on a fini, là, c'est bon. Oui. Ça tombe bien, il est minuit moins 5. Incroyable. Ah bah voilà, on n'a plus qu'à rentrer. Plus qu'à mettre un portail pour rentrer. Mmh. Oh, la montée, c'était le plus dur. Oh, on peut voir à travers le mur. Ah oui. Qu'est-ce qu'on voit? Ça, vous voyez, c'est les techniques de speedrunner. Vous regardez à travers le mur, voir si le donjon vous intéresse. Mmh. Je les montre pas parce que je suis modeste, hein, mais... Voilà, c'est les techniques pour voir si le donjon va être intéressant. Je suis Monsieur Mann. Je suis à la sortie. Généralement, Monsieur Mann ne se perd jamais. Mm. Sauf quand il me suit. Là, du coup, évidemment, il se perd. J'ai le droit de souligner le « généralement » et « ne se perd jamais ». Là, il s'est pas perdu. Les plus cons d'entre nous seraient tentés de faire un saut pour atteindre l'eau, mais là, je pense qu'on est, on est court. Ah, si une bonne masse protège les dégâts de chute. Moi je pense pas que ce soit suffisant. Je ne pense pas. Je pense aussi que c'est très gonflé de... Oh, en de vrai il y a juste à se laisser glisser là puis on est bon. J'ai un ectir de près hein, si vous voulez. Vous faites le tour de la montagne pour regagner le portail ou... Oui. Ouais. Bon, je fais du mi-hauteur comme ça s'il y a une grotte d'en bas je la vois. Je la vois d'en bas. Bon, je vous mets un ictir à ceux qui sont à côté de moi. Je crois que j'ai entendu un... Non, Jack. Bien, j'y suis. Ah, où es-tu, princesse? Allez, voilà. C'est bon, j'ai réussi à remonter. Ouf, c'était tout juste. Qui je confirme qu'il y a absolument rien. Le portail est où, en fait? Pas du loup. J'y vais. Je devrais le retrouver. Attends, ça se bastonne là-haut. Non. Il est là. Si. Ah ouais, non, là, c'est mort. Oh, c'est mort. Oh, j'aime bien le loot, mais... Ouais. Non, des morceaux de viande de loup qui ont le cul de la montagne. Je pense qu'on est passé après. C'est ça. Ouais, il y en a quelques-uns qui sont qui ont dégringolé, déjà. Ah, il y a une caverne ici. Ah. Ah. On la note pour après. Drake. Quelqu'un ouais. Le voit. Ah ouais, je l'entends. En train de le taper dessus. Je vais la noter. Bon, après les cavernes. Je vous laisse la noter. Bah, si, on va avoir besoin de ce qu'il y a dedans. Pour avancer ou. Non, pour des crafts bien pétés. Ah oui, d'accord. On comprend alors. C'est quoi? C'est le stuff de. Le Fenris. De maître boxeur? Alors il y a les clous, j'ai plus de place pour ce genre de truc. Ouais, plus de place, bon, moi je les garde. Ouais, il y a des clous. Ça sera à découvrir à la maison. Parce que moi, j'ai les trophées de Warg pour l'instant et j'ai des fourrures de Fenris. Je sais plus ce qu'il y a d'autre en vrai. Ça t'a appris des trucs chauds là. Je vais tâcher les de clous, remonter. Ça bah attends, parce que je suis plein, je vais lourder ça. Tiens, sinon, vois-moi les trucs en trop. Ouais, les rideaux, les tapis. J'avais du charbon. Hein. Ouais. Ok. Bah, back. Le... Monsieur Mann, vous êtes au niveau du... Pas du tout, je suis au niveau d'une grotte, mais j'avoue que je suis pas bien sûr qu'on l'ait faite, celle-ci. Non, bah, marque-la. Ouais, note-la aussi. Parce que les stalactites sont intactes devant. Je pense pas qu'on l'ait faite par là-bas. Je me J'ai pas découvert la carte, donc il y a peu de chance. Alors je vais la noter. Vers le bas, faut faire gaffe, il y a un golem. Ouais, ce que j'allais dire, j'aime trop un golem. C'est pas une secte de grotte. Je vois princesse qui a couru comme... Oh merde, il y a un autre golem au-dessus. Par contre, ah oui, le TP est pas ici.
esprit, il me semble qu'il est dans la tour qui est juste au-dessus. Oh. Jack, princesse, vous avez vu derrière vous ce qui se passe? Oui. Attends, à Drake. Non, mais vraiment. Oui, Drake, Golem. C'est la fête, vous m'attendez même pas. Bah, faut bien qu'on aide Nat, le pauvre. Ouais, c'était surtout que vous fassiez pas trucider. Combien de Drake ici? Oh oh. Non, une surpopulation. Loup. J'entends des loups aussi. On y arrive tous en même temps, c'est bien. J'ai mon quatrième Drake d'affilée, je voudrais bien qu'ils arrêtent. Et je vois un loup. Non. Deux loups, c'est pas possible ça. Partez. Je le Drake, tu vois pas que je suis occupé là. Ah. C'est quoi qui bouge là? C'est un autre Drake. Petit bâtard. Voilà. Y a une peau de loup ici si vous voulez. Ah, j'ai plus. J'arrive. En plus, moi j'ai plein de trucs à la con. J'ai un trophée de Drake, je me dis que ça peut peut-être valoir le coup. Mm-hmm. Plus qu'un peu de cuir, par exemple. Vous êtes au portail du coup, ok. Oui, on est juste à côté du portail. Oui. Bon. Ah bon? Ah bon? Oui. Il est là. Ah oui. Oh. Évidemment. Ce bâtiment. Autant pour moi, je l'ai pas reconnu. Je crois que c'était après. Ah oui, je m'en souvenais complètement. Faut laisser le bronze. La première chose que fait un speedrunner, c'est de trouver la meilleure seed. Oui. Ils sont pas en random seed quand ils les font. Ça dépend des catégories, je crois. Oui. Ouais, il y a probablement des. Pour les ceux qui ont les sites choisis, il doit y avoir un des trucs où tous les boss sont sur le même continent ou un truc comme ça, j'imagine. Ça paraît logique. Ou d'autres critères qui permettent de. Je pense que la perte de temps, c'est la traversée de la mer, parce que c'est obligé à faire un bateau, machin, tout ça. Et comme ils font la plupart du temps tous les boss au feu de camp. Enfin, je pense que ça n'a pas changé. Hein. Les premiers que j'avais vus, ils faisaient les boss au feu de camp. Hein. Les choses ont peut-être évolué entre-temps. Non, la fourberie se maintient généralement dans la constance. Voilà des règles du jeu. Ah oui. Bon, je crois que le feu de camp, même s'il est pas aussi efficace que tout au début, reste très efficace. Hein. C'est une valeur sûre. Mmh. Voilà, quand même. Hey, coucou Aesmodia, merci beaucoup pour le raid. Vous arrivez sur la fin. Oui. Malheureusement. Merde, t'es trop fou. J'espère que ton live s'est bien passé. Hop. Coucou à tous. Salut Brody, ça va? J'ai fait un slow run. Le temps de trouver Yaglut. Ah ouais, non, mais il y a des fois, tu traverses la map hein, pour trouver les boss. Mais il y a eu étonnamment peu de décès. Oui, on s'en est bien sorti. Deux pour moi, c'est un peu beaucoup ça quand même. On a fait bien pire. Hein. Oui. Tout à fait. Ou plus efficace, selon le point de vue. Oh, je vais mettre ça là. Hein. Non, c'est plutôt dans le cuir, hein, les peaux rouges, les indiens là. Loot, sinon il y a des. Oui, c'est quoi ce truc là? Jute rouge. Ouais, si, c'est une sorte de cuir fibresque. Mmh. Si, c'est technique, tu vois, Arthur. Je t'expliquerai un jour. Ouais, c'est ça. Au pire, des catégories apparaîtront d'ici la semaine prochaine. Ah, et ben voilà, les gens. Est-ce que le bordel... Et on s'arrête, il fait beau dehors. Je t'arrête un peu de râler. Quel intérêt de partir quand il fait beau? Faut justement partir quand il fait pas beau. Il est en mode oui, ça y est. Il fait ah, c'est bien quelqu'un qui vit dans le nord. Ah, oh, il fait beau, faut en profiter vite, ça va s'enfuir.
C'est un normand qui vous dit ça quand même. Sachant que, voilà, j'allais dire ça, et il y a des chances que tu sois plus au nord que moi, mon Jack, quand même. Hein. T'as pas vécu à Lille, toi ? Si, mais actuellement, je n'y suis plus, même si je risque d'y retourner. J'ai jamais été aussi au nord que toi. Je crois que, pour parler de Lille, il risque d'y retourner. Hein. Ouais, on voit bien. Hein. Donc si vous êtes du nord, n'hésitez pas à, vous, à être scandalisé. Hein. Il risque d'y retourner, hein. C'est vraiment... Ah, cette condescendance des streamers, c'est insupportable. Oh punaise! Pas de limite, aucune limite. Aucune limite. Hein. Par contre, j'ai récupéré un smoothie, un sorbeuil. Ok, j'ai pas envie de goûter. On se demande pourquoi. Ah, très bon les sorbeuils. Autant il y a certaines bouffes qui ont pas l'air dégueu dans le jeu, autant d'autres. Je sais pas, c'est peut-être le nom. Je sais pas dire, je saurais pas dire. Par contre, beaucoup d'endurance, c'est intéressant ça. Ouais, c'est très bien les sorbets. Ça m'intéresse parce que c'est un petit peu ma principale problématique. À part l'absence de vie, généralement c'est souvent l'absence d'endu qui provoque l'absence de vie. J'en ai droppé une dizaine derrière toi. Je vais me garder ça sous la main. Et bah du coup les gens, on va s'arrêter là-dessus. YouTube, j'espère que ça t'a plu. À la prochaine YouTube. Bye bye YouTube. Au revoir YouTube.